Eh bien, pour ce soir, je vous propose des carottes à la viande hachée. Et pour être plus précis, c'est des carottes au steak haché. Donc là, j'ai 1 kg de carottes. C'est de la carotte congelée. Vous pouvez mettre de la fraîche, bien sûr. Ici, j'ai 300 g de steak haché que j'ai coupé en morceaux. Ici, vous avez un bouillon composé de 300 ml d'eau et un cube de bouillon de bœuf émietté. Là, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, pardon. 3 cuillères à café de concentré de tomate, 1 cuillère à café de moutarde, on va mettre 100 ml de vin blanc, et puis sel et poivre, selon la convenance de chacun. Eh bien, on va se mettre en mode manuel, en mode doré, et puis vous prenez votre huile, et vous allez la mettre dans la cuve du cookie. Alors bien sûr, pour cette recette, on pourrait toujours améliorer. Par exemple, on voit comment? Eh bien, pour ceux qui aiment les oignons, on pourrait mettre des oignons, on les ferait revenir en même temps que les steaks hachés. Mais moi, à la maison, les enfants, ils n'aiment pas trop ça. Donc là, je vais prendre un petit pinceau, puis je vais étaler mon huile dans la cuve du cookie, pardon, parce que, bah, en fait, la cuve est un petit peu bombée. Et bien, comme ça, l'huile, elle se met pas naturellement, elle se répartit pas naturellement sur l'ensemble de la cuve. Et avec le pinceau, ça va être le cas. Le préchauffage est terminé. Je vais pouvoir faire revenir, et bien, mes steaks hachés coupés en morceaux. Allez, je vais ajouter les carottes. Je vais verser mon bouillon. 300 ml d'eau. Un cube de bouillon de bœuf émietté. On va ajouter le vin blanc. On mélange. Alors oui, là, moi, j'ai mis des carottes congelées. Hein. Si vous avez des carottes fraîches, bien sûr, mettez des carottes fraîches. Alors là, j'ai pas décongelé mes carottes, je les ai mis directement comme ça. Il n'y a aucune conséquence, sauf une, c'est que le préchauffage va être un petit peu plus long. Pour le poivre et le sel, c'est selon votre convenance. Moi, j'attends souvent le moment de déguster pour eh bien, assaisonner tout ça et rectifier. Eh bien, maintenant, on va programmer une cuisson. Allez, je vais arrêter la fonction dorée. Je vais être en cuisson sous pression, cuisson rapide. Je vais programmer 5 minutes, ça va suffire. Alors, sur des carottes fraîches, je pense qu'il faut être un petit peu plus, hein. Allez, je fais OK. Avec un départ immédiat, je vais faire mon plat. La cuisson est terminée. Je vais ajouter mon concentré de tomate et puis ma cuillère à café de moutarde. Et puis, on va mélanger tout ça. Une fois que vous avez bien mélangé, vous pouvez consommer cela chaud. Et bien, je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes au cookie.